Amen. Père lumière avec vous. Amen. Amen. Nous dit le Seigneur, merci matin, qui renouvelait encore miséricorde envers nous et faveur li, compassion li envers nous. Et nous n'avons pas mots pour exprimer et faveur ça, contentement ça, et qui vient dans le cœur nous. À chaque fois nous avons une opportunité ça pour nous lever, et bien, nous toujours penser que le Seigneur, il reste et demeure un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous bénissons lui. Nous espérons que chaque monde matin, le Seigneur fait grâce de nous lever dès l'aube pour nous dire bonjour, pour nous dire merci et pour méditer ensemble la parole de Dieu. Amen. Et nous comptons, bon Dieu, bon nous, pour moi ça, une belle thématique, la crainte de Dieu que nous retrouvons dans le livre Proverbe là. Verset 28 et chapitre 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Matin, nous te voulons faire un coup d'œil et la lettre aux Philippiens, chapitre 2. Verset 12 là, dis-nous, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez obéi toujours, travaillez à votre salut, et non seulement et comme en ma présence, et bien plus encore, et maintenant, que je suis absent. Alors, et dernièrement, nous avons fait un coup de pied pour nous montrer que bon Dieu t'a créé nous avec crainte, avec respect, avec révérence. Eh bien, mais ennemis, serpent ancien passé, eh bien, il mettait un désordre, eh bien, la caille grand paranoïa, eh bien, il mettait une image de peur, la caille, une attitude de peur, et finalement, le jardin qui était préparé pour eux, non seulement pour te cultiver, mais pour te garder le jardin, hein. Eh bien, elle n'y a pas seul météo dehors. Mais le second Adam, notre sauveur, l'immolé, eh bien, elle fait plan. Il fait le plan à travers le second Adam, plan rédemption. Et plan salut, plan délivrance, là. Plan rachat. Et c'est en dedans nous et qu'on y a. Et c'est lui-même n'a pas savoué qu'on y a. Et nous espérer, eh bien, dans peu de jours, ben dans les jours qui viennent, eh ben nous serons eh ben ensemble là-haut avec notre Seigneur. Mathieu bien-aimé, où t'es avec moi, eh ben crainte là, c'est un sentiment, eh ben qui exprimait crainte ou du moins peur. Eh bien, nous t'aimons également, c'est un sentiment qui éprouvait une attitude, hein, une attitude de peur non devant quelqu'un ou du moins devant quelque chose. Le verbe craindre, il ne fait pas seulement référence à la crainte de Dieu,
ou te wè avec moi, eh ben, et premièrement, ou te wè la crainte du mal, deuxièmement, ou te wè avec moi la crainte du péché, et troisièmement, ou te wè avec moi la crainte de tout ce qui peut compromettre à la santé de l'âme, ou te wè avec moi tout, la crainte de tout ce qui endurci le cœur. Ou te wè avec moi, eh ben, la crainte de tout ce qui nous éloigne et de Dieu. Matin, bien-aimé, dans verset nous prend, nous wè, eh ben, Paul l'a peu sous égide du Seigneur et lui a peu dit chrétien philippien yo, eh ben mais ainsi mais bien-aimé comme vous avez obéi toujours travaillez à votre salut. Travailler à votre salut. Et non, avec comment? Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Non seulement, et non seulement, et comme à ma présence, et bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à votre salut et expression ça, lui fait référence, eh ben, c'est mettez en œuvre et votre salut. On va en appliquer le verbe là comme ça, impératif présent, et ou du moins, faites fructifier votre salut. Puisque salut, c'est un cadeau, son don que nous joignons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, hein, par le moyen de la foi, et cela ne dépend de nous, mais c'est un don. C'est une faveur imméritée. Alors, tout ça. Le Nabgadé, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, là, verset 58, là, vous allez comprendre le texte là encore. Il va dire, eh, si mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Expression travaillant de mieux en mieux lui fait référence là à faire fructifier ou bien ou du moins faire fructifier et votre salut. Ou du moins, mettez en œuvre votre salut. Mathieu, bien-aimé, nous, pour le comprendre bien, expression et fouilla, en grec, c'est kapos. Les nous allons dans Jean, chapitre 15. Et là, nous avons pour image, là. Et le Seigneur, l'a dit, je suis le vrai cep. Eh bien, si on nous parle de vrai cep, mais il y a quand même un faux. Eh bien, alors, faux ça, nous connaissons qui m'en est. Mais le Seigneur dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et dans verset 8 là, il dit que si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples.
et vous serez mes élèves, et vous serez mes porte-parole. Matéa Bédébé, faut nous donner Bédébé. Et faut nous donner, coûte que coûte, faut nous donner, car nous avons un mandat pour nous donner. Pas oublier, dans Matthieu 28, il dit allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matéa Bédébé, croyant, nous, en tant que croyants, nous devons produire fruits, de bons fruits, fruits dignes. Et non seulement pour produire fruits dignes, mais pour le monde, ouais, dans nous, attitude ça, attitude de respect ça, attitude de révérence ça, attitude de reconnaissance ça. Attitude d'amour, ça, comportement d'amour, ça, que le Seigneur l'y injecté dans nous-mêmes, matin. Matin, nous pas besoin de loupe, pour nous louper par ça. Mais matin, le Seigneur, toute sorte qu'on est que lié, mais elle fait de nous, je dis, non seulement on s'affaire de soyal, et on peut plus acquis, et de côté le traité nous, non, c'est mon sur la montagne, à partir de chapitre 5 à chapitre 7 là, il retrace tout ça que nous y est, et bien il montre nous, nous c'est celle, nous c'est lumière, celle pour le monde, celle pour nous assaisonner le monde, lumière pour nous créer le monde, parce que le monde, il y a une noisseur, parce que le monde, il tombe en pourriture. Car le monde besoin assaisonner ma terre. Et bien, c'est par nous-mêmes, bien-aimés. Et ça fait le mandat pour nous donner. Et c'est ça fait le mandat pour nous bailler bon fruit. Et bien, c'est ça, l'effet de nous, ma terre. Ma terre, avec un sentiment, avec une attitude de gratitude. Et bien, c'est tout ça, ma terre. Le Seigneur, il veut faire de nous, ma terre. Oui, eh bien, et c'est pour nous saluer, nous donner. C'est pour le monde où est non, nous, c'est mon sauver. C'est pour le monde où est non, nous, c'est mon qui libérer. C'est pour le monde où est non, nous, c'est mon qui marche avec crainte. C'est pour le monde où est non, c'est mon qui respecte mon Dieu. Et c'est différent ça. Moi avec vous, nous besoin fait. Oh, lorsque le monde où est, eh bien, pendant que vous-même, il n'y a pas couché mal. Il a plongé dans le mal, et bien nous-mêmes, on a produit, et bien fouillé bien. Alors, est-ce qu'on comprend? Pendant le monde, on a vautré dans le péché, et bien a dansé dans le péché. Mais nous-mêmes, il faut nous connaître le Seigneur, les pays d'être ça, pour nous à la croix. Et avec bouche, nous venons pour nous dire avec le monde, et bien que le Seigneur, il fait plein salut ça pour nous. Il fait plein de délivrance ça pour yo. Et ils ont besoin d'entrer là-dedans. Ils ont besoin d'entrer là-dedans. Et c'est par bouche nous pour entendre ça. Parce que fruit n'a pas yo, c'est bon fruit pour yo. Mais faut le Seigneur l'y attester, faut le sanctionner, fruit nous yo. Mais faut l'y approuver, fruit nous yo. Et ça fait matin, faut que nous dupliquer, faut que nous donner. Faut que nous multiplier, faut nous chercher mon yo qui n'en noisseur, faut nous chercher mon yo qui a plongé dans le péché. C'est notre boulot, c'est notre mandat, c'est notre job pour nous aller chercher yo. Matthieu bien-aimé, ou te wè dans troisième recommandation, nous te wè que moi avec vous, nous pas doué, et mais négocier nan nous. Nous pas doué tomber dans compromission avec nous. Moi, parce que nous c'est affaire bon Dieu. Moi, nous c'est bouche bon Dieu. Nous c'est lumière. Nous c'est sel. Pendant que le monde a compromis nous, moi, il y a qui même livré nous au diable. Mais nous-mêmes, mais le Seigneur, il racheté nous. Maintenant, pas pour bouche nous, nous avons pour nous dire à Silas, ça, yo. Mais que le Seigneur,
Il fait un plan pour vous. Ce n'est pas un plan pour plonger dans le mal. Ce n'est pas pour un plan pour plonger avec la méchanceté. Mais son plan salut, son plan délivrance que lié. Et c'est ça que Paul Bondia, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas bouche nous pour connaître ça. Oui, ce n'est pas bien nous pour entendre ça. Maintenant, c'est un devoir nous-mêmes. C'est son charge que le Seigneur bannon. Son mandat que le Seigneur bannon. Mandat ça à l'Église. Là. Mandat ça à moi-même. Mandat ça c'est à chaque bénévole frère et soeur. Pour nous enseigner les notions de la crainte, les notions du respect, les notions de la révérence, amen, les notions de sagesse, les notions faites de l'intelligence. Oui, c'est à nous, matin, le monde, matin, l'enfer fait noir. Matin, le monde est en obscurité, matin. C'est à nous, matin, pour nous dire. Côté que y a plongé, pendant que y a endurci, mais y a plongé dans le mal. Il a plongé avec la cruauté, la criminalité, la méchanceté, la orgie, la magie, le sacrifice humain, le vol armé, kidnapping. Eh bien, Mathieu, c'est à nous, eh bien, pour parole, ça joigne, pour nous dire que le Seigneur, il fait un plan de salut, un plan de sagesse, un plan de l'intelligence. C'est ça, Mathieu. Eh bien, à nous comprendre eh bien, que le monde matin, eh bien, il a besoin de nous. Il a besoin de nous, et ça que nous avons besoin d'arranger la vie nous, pour nous vivre avec crainte, pour nous vivre avec révérence. Somme 34, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Car où est à travers le texte, gagnant sur le plan théologique, gagnant la bon jargon que nous avons brûlé, la Christophanie. Là, nous avons une manifestation d'un ange sous forme de Christ. Là, nous avons que l'ange n'a pas campé bon côté, qu'importe monde, mais le campé bon côté monde qui a crainte. Crainte ça, c'est respect. Crainte ça, c'est révérence. Révérence pour l'éternel Dieu. Révérence pour le Seigneur. Ou c'est ça. Et mais faut que nous allions pour nous dire ça. Faut le côté au campé, il y a mal campé. Si côté au campé, il n'y a pas bien campé. Et obligé de déplacer côté au IA. Et ce n'est pas bouche, non. Et ce n'est pas bien, non. Et c'est à travers et parole que le Seigneur mette dans la bouche, non. Matin, le Seigneur fait de nous, non seulement pour nous donner, pour nous voter fruit, mais il fait de nous, matin, un gailleur d'âme, un chercheur d'âme. Ce n'est pas pour cette raison. Il était commencé avec plan évangélisation. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Non, et Luc chapitre 19, verset 10. Alléluia. Mais matin, eh bien, le Seigneur et l'Esprit là avec nous. Présence est avec nous. Mais disciples dans le temps pas là. Mais c'est à nous, matin. C'est nous-mêmes qui étions comme élèves qu'on est là. Et Paul, ça a chargé à l'église. Mandat, ça a chargé à l'église à matin. Eh bien, c'est job nous, matin. Matin, nous comptons pour nous faire un petit balboussa avec vous. Et nous enseignons matin. Et l'homme et qui est continuellement de la crête, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Oh, adverbe ça le fort. C'est votre qui fait référence avec adverbe ça. Et maintenant, nous sommes continués, nous avons commencé à vivre notre crainte. Et mais c'est pour nous commencer notre crainte là. Et pour continuer notre crainte là. C'est pour nous finir. Mais avec crainte ça. Avec crainte ça. Avec respect ça. Avec révérence ça. Et puis pour nous capables de pardonner. Parce que le Seigneur, non seulement c'est ses plats, ses pieds bois, mais papa, eh bien, c'est vigneron. C'est lui-même qui a émondé nous. C'est lui-même qui a nettoyé nous. C'est lui-même qui a pris nous clean matin. Et ça, que nous avons besoin de rester focus, rester accroché à la parole de Dieu. Matin, est-ce qu'on veut donner? Est-ce qu'on veut bailler donner matin? Est-ce qu'on veut bailler donner crainte là? Donner respect là? Donner révérence là? Donner sagesse là? Donner intelligence là? Oui, c'est à nous. Mais on donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas.
C'est ça qui nous a fait le monde matin. C'est pour nous enseigner la notion de crainte. Et mais si on ne pas vivre dans la crainte, on va soit plonger dans le mal, soit plonger dans le péché, soit sous la compromission. Et mais comme si on ne pas la voix au chapitre pour dire à Sila Sayo que le Seigneur a un plan pour vous. Matin, c'est à vous, matin. C'est à nous, matin. C'est à moi-même, matin. Matin, que le Seigneur lui bénisse, que le Seigneur fortifie au matin, que le Seigneur lui garde au matin. Oui, je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parole ça, il t'a adressé à l'Église universelle, là. À l'Église universelle, là, qui fait référence à chaque petit point monde dans chaque Église locale. Est-ce qu'on va plat? Est-ce qu'on va plat? Eh bien, c'est pour donner, oui. C'est pour donner, c'est pour bailler fruit, oui. C'est pour bailler bon don, oui. C'est pour bailler bon don, oui. Ah, où t'es ouais, dans fin livre là. Le Seigneur dit à Jean, pas fermer le livre là. Quitte le livre là ouvert. Parole ça. Eh bien, c'est pour, c'est un moment ça. C'est pour un moment ça que lié. Moi, il dit pas fermer le livre là. Et voilà que je dis à Daniel, ferme le livre là. Et parole ça, c'est pas pour, c'est pas pour, pour époque ça. Eh bien, qui ça te dit? Il te dit que, il te dit à Jean, mon qui est injuste là, la vie plus injuste. Moi, mais, mon cap souillé, et mais, la souillé encore. Mon qui juste là, la pratiquer, la justice. Et mais, mon qui saint, et mais, la sanctifie encore. Matin, nous devons plonger tout corps nous, l'esprit nous, l'âme nous, corps nous, dans la sanctification. Dans la sanctification. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il dit, on va mais, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit, recherchez la paix et la sanctification. Et sans laquelle, ici on n'a pas dit sans laquelle. On dit sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. C'est pour vous combien que la sanctification est vraiment importante. Maintenant, nous enseignons chaque bénévole prêcheur, rejoindre le Seigneur pour être capable de demander ou. Pour être capable de nettoyer ou, pour être capable de rendre nous, moi-même, vraiment fait fructifier, pour être capable de donner, pour être capable de bailler dans ma terre. Parce que le Seigneur, les gars, celle dans où c'est vaisseau bon Dieu, où c'est bouche bon Dieu, où c'est roche bon Dieu, matin, que le Seigneur, matin, les bénit. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui a endurci son cœur tombe dans le malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Amen.